L'allaitement maternel peut bloquer l'ovulation s'il y a au moins 10 tétés par jour et qu'il y a moins de 6 heures entre les tétés. Cependant, il peut y avoir des saignements qui apparaissent malgré votre allaitement maternel. Donc, on vous demande de doubler avec une contraception. Effectivement, si votre allaitement ne remplit pas ces conditions, on vous conseille vivement de doubler avec une contraception à prendre dès le 21e jour après l'accouchement. Toutes les méthodes contraceptives sont possibles, sauf les hormones œstrogènes. Donc des pilules, stérilées ou l'implant sont possibles, et les moyens locaux, bien sûr, pendant l'allaitement maternel. La pose du stérilet est possible après votre accouchement. Il faut juste un peu de temps pour que le col se referme. Donc, un mois après votre accouchement, vous pouvez en rediscuter avec la sage-femme. Les stérilets au cuivre non hormonaux ou hormonaux avec uniquement de la progestérone sont possibles pendant l'allaitement. Votre bébé vient d'arriver, vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous, mais on vous conseille bien sûr de maintenir un suivi gynécologique annuel avec votre sage-femme ou votre gynécologue pour pouvoir dépister les cancers gynécologiques au mieux.